De là où l'embête, c'est du vent de nord ce matin sur la canoë. Bonjour à toutes et à tous et bon mardi. Un mardi qui commence avec un joli lever de soleil, un ciel qui est clair. Il y a toujours de la brume sur la mer depuis la plage centrale. On ne voit pas ni le poste nord ni le poste sud. La température extérieure est à 21, la température de l'eau est à 20 degrés, pas plus. Cet après-midi, soleil, température à 30. La marée est actuellement en train de finir de monter. Le plein haut est à 9h10 avec des coefficients de 68. Sur cette fin du montant, le vent est toujours nord. Alors là, il est tombé, quoi. Il est faible. Il y a à peine un beaufort. Il reste quand même un clapot résiduel sur le plan d'eau. Des phases de vagues qui sont lisses. Une houle qui est mal réveillée, qui est moule, typique. Qui est longue avec 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest. À la baisse sur la bouée Arcachon-Gascogne à 1m50 et 8 secondes. Ce qui donne en termes de taille de vague ce matin à la canoë, 50-80 cm en déferlement régulier, 1 m sur les séries qui rentrent fréquemment, et on a 1 m 20 sur les grossettes. J'attendais un poil plus, mais là, depuis ce matin que je check, je ne vois pas le mètre 30. Donc 1 m 20 maxi, des vagues à hauteur d'épaule, la barre est facile à franchir, les vagues sont moyennement sélectives, à réserver pour des surfeurs intermédiaires à plus. Il y a des bouts, mais c'est pas fou, ça fait de longues lignes avec des pics mous qui se rejoignent assez rapidement. La distance de glisse n'est pas dingolte et la note du matin vaut 2 sur 5. Il y a quelques personnes à l'eau, ça sort sur les meilleurs endroits. Il y a quand même des bouts hein, qui arrivent à passer, mais c'est pas foufou, quoi. C'est un peu comme hier. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va baisser à la mi-journée et l'après-midi, légère baisse. Au dernier check, là, la bouée Arcachon-Gascogne est bien à la baisse à 1,20 m et 7 secondes. Pour ce qui est du vent, il va passer onshore pas trop fort à la mi-journée. Et on attend une brise de nord qui doit se renforcer cet après-midi, à voir si elle va se renforcer sous les grosses chaleurs. Hier, elle était prévue, elle ne s'est pas levée, à part en fin de journée, juste après le report. Les prévisions à 9h, c'est donc 1,20 m, houle, ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent prévu nord-nord-ouest 1,2, à voir, il devrait être peut-être plus faible là, sur la pleine marée haute. À 13h, ça baisse à 1 m, 1,20 m maxi, houle ouest-nord-ouest à ouest, qui perd de la période, 9 secondes de période, vent de nord-ouest 1,2, 1,2. Et à 17h, légère baisse, 1 mètre, un petit mètre 20 qui traîne, houle ouest-nord-ouest à ouest avec 9 secondes de période, vent de nord-ouest 3 à 4 beaux, nord-nord-ouest, pardon, 3 à 4 beaufort. Ben, le meilleur créneau c'est ce matin, encore bon à la mi-journée, puis à surveiller cet après-midi si le vent se lève ou pas. Prochain point, 8h32.